Bonjour tout le monde, c'est Eddy. On se retrouve aujourd'hui donc sur Supermarket Simulator. On va enchaîner, on va continuer et tout. Et on va déjà acheter des produits pour combler le magasin. En fait, en off, vite fait, j'ai mis en fait tout ce qu'il y avait dans le storage. Déjà dans le... comment ça s'appelle ? Dans les rayons. Donc là, on va acheter de l'eau, du comté, de la farine rouge, des spaghettis. Alors, au comté, farine rouge, spaghettis. Ok. Ensuite, de l'huile d'olive, des pâtes, du riz basmatique, huile d'olive, pâte, riz basmatique. Basmati, pardon, une d'olive, pâte, une d'olive, pâte, riz basmatique. Ok, du jus d'orange. Ah non, non, alors je m'en sais en fait. Du cola turc, cola turc. Voilà. Du cola turc, des chocolats, de la pâte à tartiner, des céréales. Chocolat, pâte à tartiner. Céréales. On achète ça déjà. Voilà, il faut les autres céréales aussi. Peut-être des œufs, j'ai pas regardé. Attendez. Non, non, c'est bon. Alors, des autres céréales. Ah, les chocolats, voilà, j'ai oublié chocolat. Et la vaisselle, là, enfin le truc là. Donc, barre de chocolat. Et ça. Voilà. Ok, donc 1236, c'est pas mal. On a de quoi faire. Elles ont un bruit tellement chelou, ces voitures. Ok. Le cola turc, là, je sais pas quoi. Il y a quoi en dessous? Ok. Les pâtes. Le riz basmati. L'huile d'olive. Ok, les pâtes c'est plein. Maintenant je vais me mettre là en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de lait en bas là? Je viens d'y penser. Ouais. Ok. Elle ne roule pas sur mes cartons. Ah. Ah, ce truc là maintenant. Voilà.
de l'eau. Ah bah du. Et le parmesan. Parce que ça. Le comté. Et j'ai du mal. J'ai trop de mal. Bah, vous savez quoi? Il nous reste 1236. Il nous reste 1236. On a deux étagères là. On va ouvrir. On va ouvrir et à la fin de la journée, on va ranger les rayons et on va prendre une nouvelle licence. Ouais, on va prendre une nouvelle licence. À moins que... Ah, attendez, gestion, licence alors. Beurre, céréales, non. Fromage, café, non. Non. Bâtonnet de crème, non. Oh, il y a la bière. Il n'y a pas d'autres. Ah si, eau de javel. Produit nettoyant. Donc ça, il me le faudrait. Ouais, non, il y a le temps. Il y a pas mal de temps. J'arrive. Madame, bonjour. Et puis, dans un level et demi. À peu près, on aura un nouveau caissier. Madame, bonjour. La farine et du café, du thé, pardon. Parfait, merci. Sérieux? Ouais, je vais mettre la javel de ce côté-là, je pense. La javel, le clean et monsieur propre. Là, les papiers toilettes en bas sur deux étagères javel. Là, le clean et là, monsieur propre. Je pense que ça peut le faire, non? 10-40, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur, bonjour. Ah, ça c'est pour le petit déjeuner. On a quasiment le même. Non? Bon. J'ai pas fait d'erreur dans les prix, rassure-moi. Non. Ouais, et ouais. Donc, ouais, là, produit ménager. Là, produit de soins corporels, enfin les savons et tout ça. Ici, je vais mettre la nouvelle licence et je vais en mettre aussi ici. Il y a quoi dans la nouvelle licence? On n'a pas payé les factures, si. On a. Mozzarella. Ah ouais, non, c'est du frigo. Ah, le miel, peut-être pas. Le thon. Le miel, thon. Ah, sucre en poudre. Ça voudrait dire que là, il y a le sucre. Ah, je vais enlever le sel. Pour mettre le sel au-dessus, lui là, les pâtes, spaghetti là. Ah, oh, va falloir. Mon cerveau. Ils prennent pas beaucoup les gens aujourd'hui, hein. 32,70. Le sel, lui là, je mets là. En bas, je mets les pâtes. Le lait. Le lait en... Où est-ce que je mettrais le lait? Je sais pas. Oh, ça a l'air compliqué ça. Et l'agrandissement, c'est 2600. Ok. Ah, il y en a qui n'aiment pas quand j'agrandis le... Parce qu'ils trouvent que j'ai trop de place. Mais là, on va optimiser, là. On va...
52,83. Ah, ça fait plaisir. 49,51. Ah, ça aussi, ça fait plaisir. 57,15 s'il vous plaît. Fromage, chocolat, 41,97. C'est bon, il n'y a personne? Non. Ok. Je vais en profiter. Est-ce que je vois 2-3 trucs? Voilà. J'arrive. Oula, ça c'est bien ça aussi. Hop, alors 52,18. Magasin 19, on va allumer la lumière. Qu'est-ce qui... Oh, il manque la farine. Est-ce que j'ai la farine en rab ou pas? Non. Prendre l'huile d'olive. Ça, je sais que j'en ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient acheté. Voilà. J'arrive. Vous savez que vous avez une caisse libre à côté. Oula. Hop, 85,29 s'il vous plaît. Merci. Oh, joli. 57,93. Ouais, je vais acheter les frigos et la licence. Ah ouais. Ah, monsieur rigole pas, il a besoin de détartrer sa machine. Oh, merci, quel poil de compte. 2,33$. Va plus vite, Simon. 99 centimes, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Et voilà. Merci, 2,04$. Merci bien. Je vais continuer à ranger ce qui est possible de ranger. Oh. J'ai pas de temps pour moi. Madame, bonjour. Ne vous en faites pas, de nouveaux produits arrivent très bientôt. 60-65. Qu'est-ce que vous faites avec autant de javel, monsieur? 80,24. C'est bon, je peux continuer à ranger un petit peu ou pas? Alors, de l'eau. Je pense que les gens ont bu aujourd'hui. Le sucre, je crois que j'ai vu du sucre en moins. Ouais. Faut que je garde des grosses boîtes, je viens de penser. Hop. 60 centimes. 50, 60. Hein? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ça va venir, monsieur. Oh, on a fait 3139$. Et bonne journée. Enfin, bonne soirée. Au revoir. Oh! Produit non trouvé, 0. Trop cher, 0. Moyenne insuffisante, 0. Trop cool. On a fait une belle journée. Waouh! Ah, waouh, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Oh, j'ai plus de papier toilette. Ok. Bon. Ok. On va commencer par. On va faire ça doucement. Ok. Parce que autrement, je vais me perdre. On va acheter du papier toilette en premier. Ça.
Ça, faudra que je change le prix. Et ça. Ok. Ok. Donc là, en haut, c'est Monsieur Propre. Ok. Ensuite, à l'étagère du bas, c'est ce truc-là. Là, les deux étagères en bas, c'est la javel. Ok. Ok, je vais même en acheter un autre encore. Heureusement qu'il n'y a pas de date de péremption. Hein. J'avais. Ok. Et le papier toilette, ça va être sur tout là. Et franchement, je trouve qu'on est bon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Papier toilette, il m'en faudrait 2, 3. 3. 1, 2. 3. Ok. Et j'ai l'impression d'être dans un vrai supermarché là. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Ensuite, je vais remplir les stocks avec ce qu'on a. Les yaourts, ils ont duré, enfin ils durent, hein, la vache. Putain, j'ai pas vu si quelqu'un. Et ça, j'ai l'impression que ça marche pas. Ah, quoique. Au moins, j'ai pas besoin d'en acheter tous les 4 matins. Les pâtes, je crois que j'ai fait le plein. Ah non! Alors attendez, 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 attendez. Faut que je garde des cartons, je suis neuneux, moi, punaise. C'est pas grave. Le lait, ok. Ok. Donc si j'ai bien compris, je vais acheter une nouvelle licence. La facture, ne pas payer. Pas mozzarella, parmesan, miel, thon, œuf, pack de 4, sucre en poudre. On va acheter ça. Ok. On va dans le marché, donc c'est tout en bas techniquement. Réfrigérateur, réfrigérateur, étagère, étagère, réfrigérateur. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, on a des œufs. Donc il faudrait que j'enlève quelque chose. Faut mettre les œufs à côté ou alors j'achète deux frigos. Un réfrigérateur comme ça. Donc là, c'est les sodas, les oranges, enfin les jus d'orange, etc. Ok. On va acheter un produit tout en bas. Donc du fromage. Fromage, j'ai envie de le mettre à part, je sais pas pourquoi. Et il y a. Ah ouais, attends, deux. Deux.
Au frigo, ça? Ok. Est-ce que... Ok, on va essayer comme ça. Hein. Ça, c'est du parmesan. Parmesan. C'est gros ou pas? Non. Ok. La mozza. Parmesan. Ok. On va mettre les prix tant qu'on y est. 5,42, on va mettre ça à 5,55. Ok. Ça, c'est à quel prix? Ok. Et ça, 5,18, on va mettre ça à 5,30. Ça ira très bien. Ok. On est bon là. Ok? Ok. Ensuite, on va acheter du savon. Tous les produits. Ok. Oui, les frais de port et tout ça, non, je... Vous en faites pas. Là, on va mettre le savon. Il me faut une boîte comment pour ça, j'en souviens pas. On va voir. Ok. Donc il faut que je rachète du shampoing. Coûte cher le shampoing. Coûte très cher. Je vais d'ailleurs augmenter les prix avant que j'oublie. Six trente. Voilà. Ok. Ça faut que je le vire. Là, on est bon. Ok. On va prendre maintenant les nouveautés là. Il y a le miel. Ah, attendez. Ah! Attendez. Le miel. Je peux mettre le miel, le sucre ensemble, non? Attends, c'est quoi qui coûte cher? C'est le miel. Oh, et le sucre aussi. La vache. Ah ouais, mais... punaise. C'est pas la bonne boîte, flûte. J'ai une boîte à sucre là? Non.
J'essaye d'être logique comme vous m'avez appris. C'est-à-dire que... Enfin, la pâte à tartiner, pour moi, c'est avec le miel et le sucre. Et en dessous, je mettrai du sucre normal. Alors, on va acheter... Hop. 1108, ok. Le sucre. La pâte à tartiner. Mon chocolat. Le soda. Et du thon. Écoute, méga cher le thon. Donc, le soda, ok. Le lait. Le lait, du coup, je le mettrai où? Dans votre tête, où mettriez-vous le lait, vous? On le laisse là. On peut le laisser là. Et en mettre aussi au niveau de la farine. Puisque je vais enlever le sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est où le sucre? Il a le sucre. Que ça vous paraît logique ou pas? Moi ça me paraît logique, c'est ça le pire, et je sais que je suis pas logique. Mais est-ce que c'est... Non, le thon on va attendre ça. Donc est-ce que ça vous paraît logique? Là ça fait vraiment sucre, miel, pâte à tartiner, peut-être intervertir deux étages, je sais pas, mettre le sucre en haut. Attends. Voilà. C'est logique, non? Vous savez que ça me stresse, parce que j'ai l'impression d'être totalement illogique avec vous des fois. Alors je me dis, mais qu'est-ce que je fais de mal? Il faut que j'achète d'autres chocolats. Des bonbons. Ok. Du thon. Alors là, le thon, je sais pas où le mettre. Ben, le thon, où est-ce que je mettrais? Moi je tirais là de faire un nouveau truc ici, mais doit être placé où? Ah, dans un frigo. Là? Ah non, non, là il y a les œufs. Là je touche à rien, là c'est bon. Ah, le thon. Ouais, je vais le mettre là. Ok. Ah, du coup, je vais laisser ça dehors, comme voilà. Ok. Donc là, je pense qu'on est. Tiens, il est violet là encore. Voilà. On va acheter. Attends. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là on va acheter œuf. Je vais noter en même temps. Sachant qu'il y a maintenant des œufs par 6 aussi. Donc on va prendre deux boîtes d'œufs normales. Et deux boîtes d'œufs par 4. Ok. Ok. Mince. Ensuite il nous faut de la farine. Les deux sortes de farine et du lait encore. Et les spaghettis. Alors, farine et spaghettis. Farine, les deux sortes. Le lait.
Quoi, le lait? Non, pas le lait là. Non, non. Spaghetti, chocolat. Attends, mais non, je l'ai mis le chocolat déjà. Ah non. Ah, et ça a augmenté, faut que j'aille augmenter le prix. 10,50. Ah non, c'est bon. Ok. Spaghetti, de l'huile. De l'huile, de l'huile, de l'huile. Elle a augmenté. Elle a augmenté, elle a augmenté de combien? Waouh! 4,07, voilà. Faire un petit profit. Alors, farine, là. Ok. Alors, dites-moi hein, si je suis logique, si c'est beau, si c'est tout niqué, parce que là, moi, je veux faire tout propre, hein, je veux que ça soit parfait. Hein. Il va falloir que j'achète encore de l'huile. Hein. Pas assez, là. Ouais. Spaghetti. Attendez, j'avais dit que je changeais, non? C'est plus logique si je mets le café là avec le thé, mais je crois que j'ai pas de boîte pour le thé. Ah si, c'est ça. Donc les spaghettis ici. Avec le riz. Ok. Je vais garder le carton au cas où. Je suis en train de me prendre la tête. Mais vous vous rendez pas compte. Je réfléchis à un point pour être le plus optique, le plus beau et le plus nickel quoi. Ok. Ah, c'est 2x4 ça? Ok. Je vais garder un carton au cas où. Ah ouais, c'est le même que le sec, tiens. J'ai pas du lait qui traîne. Ah si. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Donc, ça c'est propre. Ça, il faut de l'huile. Et de la farine rouge. Huile et farine rouge. Et du café, du thé, de la farine rouge, de l'huile. On va déjà prendre tout ça. Alors l'huile. On n'a plus? Non. Farine. Alors, va falloir que je prenne plusieurs stocks de farine. Le thé. Et du coup, je mettrai les céréales ici plutôt que là-bas, vu que c'est ici le petit déj et tout ça.
Bah ouais. Comme ça, je pourrais mettre d'autres gâteaux là, quand il y en aura. Je prévois la suite, messieurs, dames, je prévois la suite. Ok. Ok. Donc là, il me faudrait le pain. Où est-ce qu'on mettrait du pain? Où est-ce que vous mettrez le pain? Ah, dites-moi en commentaire où est-ce que vous mettrez le pain, si vous voulez. Et donc là, on va prendre des gâteaux et une boîte de céréales. Et ça sera bon. Je crois. Boîte de céréales, gâteaux. Jus de pomme, jus de pomme, jus d'orange, cola blanc et cola turc. Jus de pomme, jus d'orange, cola. Voilà. On va y arriver. Je sais ce que je fais, vous en faites pas. Voilà. Ok. Il n'y avait pas de l'eau tout en bas là? On va la mettre. Ok. Le cola turc. Enfin turco. J'en mettais en bas aussi, ouais. C'est bien ce que je pensais. Ok. Les céréales. Orion petit déj. Du jus de pomme. Ah, je l'ai mis, je suis bête, moi. Jus d'orange. Ah, c'est bon. Ah non, attendez. Je vais remettre là. Ah, mais il y a. Ah, punaise, je suis bête. Attendez. Ah, bah non, je suis pas bête en fait. Ouais, allez. Le cola blanc. Tac. Et il me faut du pain de mie. J'ai oublié le pain de mie. Pain de mie, on va faire tout au-dessus. On va prendre plusieurs packs. Voilà. Et on va ouvrir. Non, n'ouvre pas. Attends, attends, n'ouvre pas. Pas envie de me faire avoir encore. Alors, les prix. 4,73. Ok. Ah, 22,10. 3,20, ok. Mon papier toilette, 17,60, ok.
Ok. Ça, on n'a pas pris une des prix. On va mettre à 2,25 euros. 2,25 $. Le lait, ok. L'eau, ok. Sel, ok. Farine, ok. 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 Alors les places que je laisse, c'est pour éventuellement les prochains articles qu'on va mettre. Pour m'éviter de faire tout ce rangement à chaque fois. 1, 380, 30. Oula, justement, je vais le baisser. Je vais le mettre à 2,50. Ça va hyper bien. Ça, on est bon. On est bon. On est bon. Et le thon, je ne l'ai pas mis. 7,33, on va mettre ça à 7,50. Voilà. Ensuite. Ça, on est bon. Le miel 11,20, on va le mettre à 11,50. Le sucre, on va le mettre. Ouah, 12 dollars! On va le mettre à 12,20. C'est hyper cher le sucre là. 6, 13, ok. 7, 5, ok. 11, 80, ok. Ça, c'est bon. 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 Donc là, ce sera d'autres bonbons, là, ce sera d'autres gâteaux. 2, 10, 6, 30, ok. Et tout ça, c'est vu ou pas? Ouais. Allez! Ben, moi, je trouve qu'on a un chouette magasin. Donc là, alors, les questions que je me pose, c'est le sel. Dans mon Leclerc, le sel, il est pas là. Mais je sais pas où le mettre, peut-être avec ça. Les pâtes, on est bon. Les sodas, à la rigueur, ouais. Là, le fromage avec le thon, ouais. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu pourrais mettre des étagères en plus, enfin, combler les étagères et tout. Je comprends, mais en fait, je vais me perdre. 20,40. On fait cette journée et puis après, on va s'arrêter. Putain, il est déjà 1h50. Oh, le temps passe vite là. Quand j'ai fait open, ça a commencé le compte à rebours et ah oui, punaise, peut-être fait une erreur. Mais en tout cas, moi je suis assez fier de mes rayons. Dites-moi en commentaire, mais je les trouve plutôt sympas. Ah madame. Oh là. Je sais pas ce que vous faites avec toutes ces gerbes, je veux pas savoir. Je veux pas savoir non plus, je veux pas savoir que vous faites des pâtes au sucre. C'est bon tout ça madame. 9,60. Des pâtes au sucre. C'est quoi la prochaine licence? J'ai payé facture. Beurre, céréales, poulet, frites, pizza et sac de pommes de terre. Ah, les céréales. Oh. Le beurre, ce sera rayon frais, donc je pourrais le mettre. Il me faudra un autre congélo et tout, quoi. Oh là là. Paysan beurre, céréales, poulet, des frites. Je pense que c'est tout congélo, ça. Fromage, café, bouteille d'eau, œuf, pack de 12, pack de. Oh là là. Monsieur, bonjour. Hop, 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 café. 25,06. J'avais du café en trop, mais non. Alors, madame, ah, du thon.
59,91, s'il vous plaît. Voilà. 4,38. 3, 4, 10, 20, 30, 35, 37, 38. Tenez. Monsieur, bonsoir. 45, 58. Je vais chercher des pâtes. C'est mal éclairé, vous pensez? Peut-être ajouter des plafonniers, oui. Ouais, où sont tous par carte, 69,11, pardon. J'en ai acheté 3. Alors on va attendre vraiment que, parce que j'avais pas vu que le temps passait quand j'ai ouvert et fermé. J'ai pas vu que le temps passait, donc on va vraiment attendre qu'il y ait vraiment plus personne. Et puis ils sont en train de dévaliser le café et tout. Monsieur, bonsoir. Alors, 75, 61. Parfait, madame. Monsieur, bonsoir. 3, 18. 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Oh ouais, ouais. Ah non, c'est des gros trucs. Ah quoi que, quand même. 150, 66. Et j'ai rang 4,34€. Nickel. Bon, on va s'arrêter là. 28 clients quand même. Profit total 1158. Waouh, ça a augmenté, bon papa, turbo soda. Waouh. On va mettre à 3,12. Turbo soda, c'est quoi turbo soda? C'est ça? Après, je sais pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller, on va s'arrêter là. La prochaine fois, je sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, j'ai envie d'acheter la licence, mais ah non, il me faut plus d'argent. On va travailler dur pour avoir plus d'argent, et ensuite on mettra des congélos là. Et là, je vois qu'on a plus de place. Enfin, si, on a de la place sur des étagères, hein, quand même. Le thé, peut-être que j'aurais pas besoin. Enfin, ouais, je vais voir. Le sucre, comme il s'est bien vendu. Oh, oh, ouais. On va voir. On va voir. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.